in the sofa. Je peux s'y mettre seul? Oui. Ok. Tu me regardes. Ah oui, la main est... Ah, je suis super fébrile. C'est à cause de la cigarette. Oh, ouais. Oui, les entrevues, ça m'énerve, mais pas. Non, c'est ça, c'est ça. Pas en ça, plus, là, t'as arrêté de fumer. En plus. Roy Dupuis, bienvenue au Franc-Tireur. Merci. Quand on pense à rivière, on pense à Roy Dupuis. Pourquoi les rivières? Pourquoi pas les phoques? Pourquoi pas Kyoto? Pourquoi pas la fin dans le monde? Peut-être parce que je viens de l'Abitibi, tout simplement. Peut-être parce que c'est quelque chose que je connais, la nature, enfin, des environnements sauvages. Mm-hmm. Pour moi, oui, c'est les rivières, mais c'est l'environnement en général. Puis l'environnement, la nature, si on veut, j'ai inclus l'humain là-dedans. Sauf que, pour dire comme Marie Saint-Cerny le dit, Hydro-Québec, pour elle, c'est une de ses plus grandes peines d'amour. Mm-hmm. Pourquoi? Parce que Hydro-Québec, ça a déjà été une vraie société d'État. Ça a déjà été là pour le bien-être de l'ensemble des Québécois. Aujourd'hui, c'est peut-être parce que bon, la situation mondiale nous influence tous à agir, ou toutes les sociétés ou les compagnies, à agir de cette façon-là, c'est-à-dire c'est géré comme une compagnie privée, c'est-à-dire le profit avant tout. Mais Hydro-Québec, c'est quand même à nous. Puis ça, il s'agit de le rappeler aux gens. Aujourd'hui, on ne peut plus se permettre d'empiéter sur l'environnement à moins que ce soit absolument nécessaire. Et c'est vraiment pas le cas avec la Rupert. Les rivières, c'est pas moi qui vais les sauver. Mais justement... Ça, je l'accepterais pas non plus de sauver une rivière juste parce que moi, je veux que... Non, c'est un bien collectif, puis... Mais c'est à l'ensemble de la population de décider ce qu'on fait avec. OK. Je vais te lire une phrase que t'aimeras probablement pas sur l'implication des artistes. Alain Dubuc, dans la presse, en 2006. Extrait de sa chronique. « Un artiste, quand il parle de forêt, d'énergie ou de phoque, sort de sa zone de confort et peut se tromper. Est-ce qu'on l'écoute parce qu'il est une autorité en la matière, parce qu'il a réfléchi au dossier ou parce qu'on l'a aimé dans la série Rumeur? » Il oublie, et ça, et c'est là où je vois que je me demande pourquoi il écrit quelque chose comme ça, si lui a réfléchi à ce qu'il dit. Il oublie que je fais partie d'une fondation, d'une organisation qui est formée de spécialistes. Je t'entends. Oui. Je regarde ce que la Fondation Rivière fait. Je trouve ça intéressant, je trouve ça admirable. Mais je regarde les chiffres. La croissance, la demande énergétique au Québec, oui, c'est 1% par année. On est des gloutons énergétiques. Oui. Sur 10 ans, là, c'est 10%. Je regarde les alternatives, le thermique, le nucléaire, je me dis que c'est pas viable. Non. Toi, si t'étais PDG d'Hydro-Québec, là, qu'est-ce que tu dirais? Qu'est-ce que tu ferais? Il y a un ancien ingénieur d'Hydro-Québec qui est maintenant à la retraite, qui nous a donné des informations directement, qui a calculé que si Hydro-Québec, par exemple, investissait 20 000 $ par maison pour installer des systèmes géothermiques, oui, il pourrait produire... Avec la moitié du cash qu'il met pour... construire des barrages. Pour construire le projet de la Romaine. Oui, oui. Par exemple, 8 milliards de dollars, on pourrait produire 1900 mégawatts. Récupérer 1900 mégawatts d'électricité. La Romaine, c'est 1500 mégawatts pour la moitié du prix. Donc, ton plan, ce serait de rendre chaque citoyen, quoi, indépendant, autonome, sûr, énergétiquement? On ne construit plus de bâtiments qui sont plus autosuffisants. OK. Oui, oui. On a les outils pour le faire. Afin, le problème... C'est pas nous autres, les gloutons. On achète de plus en plus de cossins qui nécessitent de plus en plus d'électricité. Je veux dire, c'est facile pour un gars comme toi de cibler Hydro-Québec, mais c'est plus difficile de cibler le public dans lequel il y a ton public. Oui. C'est nous autres le problème. Oui, c'est nous autres le problème, mais la grande majorité des gens sont pas au courant non plus, ouais, des outils qu'on a aujourd'hui, qu'on possède. Pour qu'ils économisent eux-mêmes. Ben avec l'Internet, avec les outils qu'on a aujourd'hui, l'information circule. Puis ça va faire son chemin. Ça devient difficile là, de stopper l'information. De garder ces gens-là dans l'ignorance.
Après la pause, la suite de cette entrevue avec un gars convoité ici et ailleurs, Roy Dupuis. La célébrité, tu sais, c'est un couteau à deux tranchants. D'un côté, ça te permet d'attirer l'attention sur la Fondation Rivière. De l'autre côté, on n'a pas l'impression que tu vis bien avec ça. Après les années de Nikita, t'as dit que tu avais fait une surdose d'exposition permanente. Ça ne te tentait plus de sortir de chez vous. Aujourd'hui, est-ce que tu vis mieux avec ta célébrité? C'est encore quelque chose qui me fatigue. Mais c'est vraiment le mot, ça me fatigue. Je peux pas me promener en ville plus que deux heures, sinon je suis fatigué. Parce que tout le monde te regarde? Tu sens que t'es sur un stage, oui. Tu sens que t'es observé, les gens viennent te parler aussi. Mm-hmm. C'est respectueux, c'est tout. J'ai rien à leur reprocher. Mais pour moi, ça, oui, c'est comme si j'étais un petit peu sur un stage. Villa? Quand c'est arrivé en brutal, là, une soirée. Là, ouais. C'est... Donc, c'est sûr que ça a été un choc. Avec les filles de Caleb. C'est... Oui. C'est pour ça que je t'attendais. Puis, c'est vraiment curieux parce que je viens d'une petite ville, Amos, Kapuskasing, c'est des petites villes. Bon, rendu à 12, 14 ans, tu connais pas mal tout le monde te connaît. Quand je suis arrivé à Laval, à Montréal, en Grandville, il y avait une liberté que l'anonymat de la ville apportait que j'ai perdu en une soirée. Et c'est une peine. C'est plate, mais c'est ça. C'est tout. Mais dans ton cas, ce qui est particulier, c'est qu'un comédien québécois, d'habitude, vit ça. Mais s'il s'en va dans un autre pays, il va avoir la paix. Mm. Toi, Nikita... Dirais-tu que ça t'a enlevé de la liberté? Ça a été diffusé dans 50 pays, même si c'est plus à l'écran, partout sur Internet? Oui, ben c'est un peu ça, oui. C'est-à-dire que je suis jamais sûr de ne pas être connu. On voulait prendre un break, un moment donné, moi, puis ma blonde, puis on cherchait un pays où on pourrait prendre un break. Mm-hmm. J'aurais aimé ça aller à Cuba, parce que c'était la veille de changer, Cuba, ouais, puis ouais, ouais. J'ai fait non, je peux pas. Parce que je vais faire partie des... de l'attraction touristique, ça me tentait pas. Fait qu'on a décidé d'aller au Costa Rica. Tu sais, c'était comme, mais en arrivant au Costa Rica, la douanière m'a reconnu. Je n'étais pas arrivé encore. Fait que c'est toujours plus ou moins présent. Je ne sais pas si... Puis en général, il y a quelqu'un qui m'a vu quelque part. Okay. Mais c'est pas comme ici, c'est sûr. Quand tu es le centre de l'attention comme ça, comment tu fais pour ne pas passer pour un air bête, un sauvage? Je pense que ma mère m'a bien élevé. Je suis quand même quelqu'un de poli. Mais c'est ça, j'essaie juste de rester moi-même. T'as des fans? J'ai aussi appris que c'est plus simple de dire oui. Des fois, ça peut être bien compliqué si tu dis non. Non, ouais! Toi, laisse-moi tranquille parce que tu vas manger tout un saut. C'est sûr que tu te retrouves dans un bar où le monde a un peu bu. Là, ça risque d'arriver. Okay. Puis ça paye plus loin que ça. Les gars peuvent s'essayer. Là. Hein? Sérieux? Ben oui, t'es Roy Dupuis. Le monde, ils veulent. Attends, dépend, ça t'est arrivé qu'ils veulent dans un bar puis qu'on t'essaye parce que tu ne regardes pas. Faire je sais pas, moi. Oui, oui, oui. Aïe, aïe. Oui, oui. Mais oui, ça arrive. Mais c'est ahurissant. C'est arrivé. Mais là, je ne vais plus dans un bar, je ne bois plus. OK. Mais c'est ahurissant, je veux dire. Ben, tu sais, il y avait une grosse bataille, les filles de Caleb. Ouais. Ben, c'est ça. Alors, comme ça, toi, t'es capable de planter. il y en a de tous les sorts. Tu connais sa nature humaine un peu, quoi. Tu saches où la porte de sortie. Ça, c'est lire les yeux du gars qui est en avant de toi un petit peu. Ou de la personne. T'as des fans. En or, je dirais, là. Les Royettes, qui sont des fans américaines, surtout. Il n'y a pas juste les Royettes. Hein? Mais les Royettes, je pense qu'ils sont parmi les plus passionnés, disons. Ah ouais? Je pense que oui. Dans une autre vie, dans un autre journal, j'ai fait un reportage sur les Royettes. Okay.
des madames fascinantes qui te suivent, qui parlent anglais, qui prennent des cours de français pour s'intéresser à ton travail. Mm. Parle-moi de ça. L'adulation de fans, des artistes ici, peuvent vivre ça à l'échelle du Québec. Toi, t'es un des rares qui vit ça outre frontières. Je les rencontre quand on fait des levées de fonds, quand on fait des rencontres, des journées, des shows bénéfices ou des trucs dans ce genre-là. Parce qu'elle participe aux levées de fonds, puis ces trucs-là, là, oui. Oui, surtout. Mais ça se limite à ça. C'est pas quelque chose qui pèse dans la vie de tous les jours. C'est très bien structuré. Il y a des organisatrices, puis il y a des règles. Il y a des règles? Oui, il y a des règles à suivre. Ils ont des règles à suivre. Il y a des règles que moi aussi, je dois suivre. Sérieux? Ben, que toi aussi? Oui, je peux pas... Oui, ça peut occasionner des guerres internes si je porte trop d'attention, plus d'attention à une qu'à une autre. Groupe, ou je fais un geste quelconque. Ou... Fait que, oui, il y a des... oui. C'est une micro-société. Mais en même temps, c'est là que je te dis, c'est un couteau à double tranchant. C'est... T'as su trouver une façon de, je vais pas dire rentabiliser, mais de... Je veux dire rentabiliser cette adulation-là. Parce que les Royettes financent beaucoup la Fondation Rivière aussi. Mmh. En achetant, par exemple, une statuette que tu as gagnée dans un festival de films à Halifax, 20 000 piastres. Ils me remercient souvent. OK. De les impliquer dans une cause qui leur en apprend sur la réalité, sur la vie. Sur l'environnement. Oui. Tu as dit tantôt que, dans ton cas, la célébrité s'est tombée. C'est arrivé un soir. Mmh. Bang. Quel regard tu portes là-dessus aujourd'hui? Ça a changé ma vie. C'est clair. Tu regrettes cette époque-là? D'avant? C'est sûr que de perdre une liberté, pas le fun. Mais oui, comme on peut regretter notre premier amour. Tu sais, au début, quand j'ai été connu comme ça en une journée, je sens encore ça aujourd'hui. Je sens que c'est pas moi qui devrais être ici. Ça devrait être, je sais pas moi, Noam Chomsky ou tu vois, des gens qui... Quelqu'un qui a consacré sa vie à la pensée, là. Oui, ouais. Des gens que je lis ou que... Mm-hmm. Puis c'est le feeling que j'avais, surtout quand j'ai commencé, quand on me passait en entrevue, j'ai rien... À mon sens, à moi, j'avais rien d'important... À dire. À dire, ou à donner comme information à ma société, au mien. Revenons un peu sur ta carrière. T'as-tu failli être Jack Bauer? Je les ai tués. Ils tentaient de résister. Je te tuerai aussi, Joe. Ceux qui t'ont demandé de faire ce boulot, ils se sont servis de toi. Ah. Failli. C'est rien de bien important. OK, parfait. Ça sert à rien, quoi. Ben, all right. Écoute, je l'ai pas fait. Parfait. Cette vision-là réductrice qu'on a des comédiens des fois, tu sais. Mm. Quelqu'un qui joue dans la rumeur, tu sais. Tantôt, je t'ai cité une chronique là, où on prenait rumeur en exemple. C'est-tu la faute des comédiens? Est-ce que les comédiens pourraient être plus politiques, plus engagés? Ouais, écoute, je pense que ça, c'est un choix personnel. Il y en a qui, à un moment donné, sentent le besoin d'appuyer une cause quelconque. Des fois, juste de porter une histoire, ça l'est aussi. Mmh, mmh. De faire son métier, juste d'être comédien, puis de porter des films, puis de te donner à un film pour qu'il soit... Où tu considères que l'histoire est importante. De porter cette histoire-là, puis de bien le faire.